Nickel. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a un vaisseau de merde. Je l'aurais presque oublié. Allez. Tac, une tout là, une tout là. On est plutôt pas mal. Ouais. Je peux passer par là? Ah! Ok. Ok, très bien. C'est parti. Une colonie vous contacte immédiatement. Salutations, voyageurs. Votre vaisseau a l'air bien paré pour le combat. Pourriez-vous nous rendre un petit service? Alors, bien paré pour le combat? Je pense qu'ils ont fumé du mauvais shit. Depuis les derniers événements, certains de nos amis ont rejoint les rangs de la piraterie. Nous aimerions leur faire prendre conscience de leurs erreurs en endommageant sévèrement leur vaisseau. Nous verrons bien. Ne les tuez pas tous. Alors, le problème, c'est que je joue TP. Donc, pas tous les tuer, je sais pas si... Je sais pas si ça passe bien, quoi. On va tirer là-dedans. Dans les armes, peut-être. Ça, c'est pas un problème, il y a juste le lance-missile. Ça rate, nice. Un petit missile, histoire de... Voilà, ça couche ça, on n'en parle plus. Oh, mais attendez, ils se prennent la misère. Ils prennent la max. Ok, revenez les deux. Vite le heal, vite le soin. Into, on les renvoie. Là, il y en a deux blessés plus un troisième qui est encore full life. Et je vais rebalancer une bombe là-dedans. Non ! T'avais pas le droit de rater, Jack. C'était pas maintenant il fallait rater, Jack. Ah ouais, mais là, il shield. Ok. Into là, Into lui meurt. Plus de pire. Nice. La bombe qui a carré. Ah oh, mais il restait qu'un NG tout pourri. Bon ça va. On est méga large. Alors je pense qu'ils sont deck parce qu'on a buté tous leurs potes. Mais au moins ça sera plus des pirates. Ils auront plus cette envie là de devenir des pirates. Du coup n'est-ce pas mieux pour tout le monde? Ça va être deck. Mon œuvre de ressources c'est quand même l'edge. Pas tant que ça, j'aurais aimé plus. Ah! On intervient pour défendre le poste. Ah! Du hacking. Ok. Non! Ah oui, les portes, ça va. Ah non, c'est chiant. Bon, c'est pas grave. Ok, donc il faut small bomb dans les shields. Et si down, à partir de là, on pourra tirer avec notre laser basique merdique. Ça va être incroyable, ça va prendre 20 ans. Hein. Un bon combat de merde. On se fait chier. Donc là, into dans les armes. Il y a le feu. Ça a tiré où? Ça a tiré là, non? Il a tiré où le truc? Là? Ok. Ok, ça c'est bon. Tire auto là. Donne tout bébé. Nice. On tire dans le pilotage. Faut tirer dans les shields et qu'ils vont revenir en ligne. Ouais, ça devrait être... Non, les shields! Enfin, les moteurs qui brûlent. Pas bien ça. Oh non, tombe pas, s'il te plaît. Un point de dégâts supplémentaire. Oh, on s'emmerde avec le laser basique. Oh putain, c'est tellement de la merde. Ok, très bien, on va te soigner. On a le temps maintenant. Il y a encore un truc qui brûle. Il y a encore un truc qui brûle, ça me rend fou. Je crois que c'est là. On va te soigner. Pas très grave, au pire, on vide un peu tout en oxygène. Les armes, please. C'était bien ça. C'est bon là? Nice. Je vérifie quand même parce que... Non, les portes ne brûlent pas. Nice! Et yo, Lyonsi, comment ça va gros? On se fait une petite double récompense, ça c'est plutôt pas mal. Tout le monde a son poste. Let's go. Tac tac. Et c'est reparti. Les aventures du Cotorep de l'espace. Double laser, on est immortel. Easy win, j'ai envie de dire. Allez, TP là. Ok,
Alors l'NG ça va être tranquille, par contre lui, lui c'est compliqué. Ok, on va aller switch de position. Nice. Ah non. Non. Alors pourquoi je back? C'est parce qu'en fait c'est un Zoltan, le dernier type. Et les Zoltans, quand ils meurent, ils explosent et ils font genre 32 dégâts. J'ai pas envie qu'un de mes mates crève avec une connerie pareille. Du coup on va les full heal avant de les renvoyer. On a le temps, là on est immortel, ils ont juste de laser, donc ils passeront jamais le shield. On est ultra safe. C'est parti pour Jake il a frites. Il faut faire toujours attention à cette explosion. Hein. Cette explosion de ses morts. Tu vas te heal toi aussi. Pendant que t'y es, c'est reparti. Tac tac. D'ailleurs, je vais mettre la bombe à la place. La bombe est beaucoup plus pratique. Vu qu'ils ont souvent un shield, c'est compliqué de passer outre. Et yo, Excel, comment ça va, gros? Ok, que dalle. On avance. Un shop ça serait bien mais on n'a pas assez d'argent pour le moment. Qu'est-ce qu'on a comme combat? Il y a du hacking en face, je vois pas l'arme. Je sais pas ce que c'est que ça. Ça m'emmerde, j'ai juste envie de me TP pour aller prendre dans la cache. Et il y a que dalle. Et ben va bien niquer. On a quoi? Force électromagnétique c'est ok. Soleil, on a une boutique entre les deux. Deux nœuds de combat dans une nébuleuse. Ah oui, on a eu le scout de la map. Qu'est-ce combat là, c'est de la merde en barre. Le secteur est vraiment merdique. Hein. Hey yo, Phoenix, de retour sur FTL, bien sûr. Je prends ma revanche avec hier. On a quoi? Un drone, une bombe? La bombe n'est pas tant un problème. Le laser non plus. En fait, on est safe là-dessus, non? Ça m'a l'air d'être assez safe. L'impulsion ionique, cependant. Ok, on prend ça avant. Les shields, nous, on prie. Ces armes, elles sont toujours hop. Ok, c'est juste une small bomb, c'est ok. Les deux vont mourir. Les fights ont été gagnés. Il y a un troisième qui va arriver. Et il va se faire tartiner le fion en 2 secondes 50. Oui! Bienvenue, Lysandre! Incroyable! Mais attendez, ne serait-ce pas. Mais ne serait-ce pas. Qui ça peut bien être? Moi, je me le demande. Mais j'ai pas le droit de changer même le nom. Ok, donc Lysandre, il va aller où? En vrai, je préférais ça et ça. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce que généralement, le pilote et le moteur, on préfère que les mecs soient toujours à l'intérieur de ces salles. Alors que... un NJ, c'est cool qu'il puisse bouger, simplement. Ça fait toujours plaisir. Donc on va rester comme ça. Une boutique, on va pas pouvoir acheter grand chose, mais moi je serais prêt à tout vendre. Laser lourd, c'est bien. En vrai, c'est bien. Le problème, c'est que j'ai un système d'armes faible et va falloir. Ouais, c'est trop bien. J'ai quoi à vendre? J'ai le phéromone Mantis. Phéromone Mantis à vendre, c'est quasi sûr, on le fait. La Small Bomb est très bien, le Bazar Lasik, j'ai pas forcément envie de le vendre maintenant. En fait, les deux, que ça soit Bazar Lasik et Laser Lourd, ça risque d'être plutôt un bon combo. Du coup, on va le prendre. Mais on ne peut pas l'installer pour le moment. Il nous faudra 40. De toute façon, on va profiter de tous les sauts qu'on a, non? Oh là là, mais c'est que des cul-de-sac, c'est un enfer. Ça, c'est un soleil. On va d'abord aller faire la fight du soleil. Fuck. Il y a un laser lourd. Et un basique. C'est chiant. Du coup, ça va être small bomb dans les boucliers. On est obligé. Allez là-bas, vous deux. Ça va quelque chose. Ok, ça tire avant, ça c'est nice. Ok, impeccable. Ça touche, on passe sur le laser lourd.
Et là, ça va être dans les armes. Non, peut-être dans les shields. Non, dans les armes. Dans les armes, on a le temps. Ok, nice. Maintenant, on va viser le shield pour éviter qu'il revienne en ligne. Sinon, je devrais re-switch sur la bombe et tout. C'est casse-couille. Je sais pas où il y a le feu chez moi. Il y a le feu chez moi. La medbay, non. La medbay, les gars. Tais-moi ça, Mantis. Vous pouvez le faire. Oh, les Mantis, quoi. Ok, laissez tomber. Je sais pas où ça a tapé encore. Ok, ici, pas très grave. Si on va le laisser éteindre. Oh, mais les deux là, ils sont tellement blessés quoi. On va éteindre moi ça. Hein. Ça brûle ailleurs. Ok, faut sauter, faut se barrer. On va faire ce petit saut de merdique là. Cela faut que je sois une méga. J'aimerais pas trop une fight. Vous recevez un message d'un petit convoi, elle cherche des fournitures militaires. En échange, je vous propose d'améliorer votre réacteur. Deux bombes, c'est chiant. Les trois drones, je m'en branle un peu. On va dire que oui. Ok, il n'y a plus le feu. Ça, c'est nice. Hop, allez-y, vous. Et yo, aujourd'hui, comment ça va, gros? Eh ben écoute, ça va très bien, Axel. Très très bien. Moi je suis prêt à prendre ma revanche avec ce vaisseau de merde. Ah oui, du coup on n'a pas le nom. Serait-ce pas Axel? Axel le Mantis? Axel le bastonneur? Eh bah ouais, ça fait un bail gros. Ça fait clairement un bail. Wesbury VX, il a besoin aussi de soins. Arbyte. Salut à toi, Noodle. Bienvenue. Incroyable. Ok. Il faut qu'on mette en ligne ce putain de laser basique avec le laser lourd. Il me faut 40. Triste. Donc on va prendre le prochain fight sans ça. On peut faire juste ces 4 sauts. De toute façon, faire des allers-retours, c'est un peu la misère. Donc autant faire le combat la first. Ok, ça c'est cool. C'est un vaisseau Mantis quand même, il va falloir faire attention. On a une TP en face. C'est ok, la TP je vais la gérer. On va même attendre un peu, voilà, qui TP avant. Ils sont dans la medbay. On a besoin de l'esquive. Incroyable, et merci pour le follow Noodle. Ils sont dans la medbay non? Ouais, ils sont dans la medbay, donc ça c'est bon, un seul Mantis va pouvoir gérer. Là il y a juste un... C'est juste un NJ. Il va falloir faire tomber les armes. Ça fait chier. On n'a pas d'esquive. Tombe les armes. Au moins une. Au moins une. Nice. C'est all good. Ok, l'autre va revenir. Il va se faire casser la gueule. Bisouka un tendresse. On se fait de la thune. C'est tout bon. Non mais crève pas, Mongolo. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont nuls à réparer. Par contre, les Mantis, c'est un enfer. Et yo VX! Ah, te voilà sur le vaisseau VX! T'es là, t'es présent! T'es le seul qui a pas des vieilles pattes d'alien pour réparer. Moi je compte sur toi, gros. Hein. Je sais que tu peux faire des merveilles. On avait dit améliorer notre système d'armes. On n'a pas besoin de la puissance vu qu'on avait récupéré un point. Tac, laser lourd, une tour de laser basique, c'est plutôt pas mal. Là on pourra passer au travers d'un shield et on a des armes qui tirent assez rapidement, même si le laser basique est un peu lent. Ça devrait être ok. Ça devrait être ok. Vous arrivez à proximité d'une station spatiale endommagée. Elle semble avoir été abandonnée. Pourtant, vous détectez les signatures vitales à bord. Elles ont l'air d'être très faibles. On va les voir. Et on a trouvé un humain! Incroyable, un humain! Alors, j'hésite du coup. J'hésite à virer le Mantis, là.
Il en était à où c'était qui? Shiryu en pilote. Ouais, je pense qu'on va laisser l'humain en pilotage. Il va apprendre plus vite. Et c'est Kinvir. Incroyable, Kinvir, comment ça va? Kinvir, l'humain. Ah, je suis sûr que tu vas briller en tant que pilote, gros. Moi, j'ai confiance en toi, hein. Tous mes espoirs sont en toi, finalement. Toi pour le mieux, nice. Ça fait plaisir, gros. Fais des merveilles. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on a un... Ah, il a un flak, hein. Et un ion stun. Je pense qu'on va l'ignorer. On va l'ignorer parce que alors ça, c'est un vaisseau où on lose dessus, hein. Clairement, le Zoltan Shield, on pourra pas passer au travers. Et il va falloir le détruire avant de pouvoir TP. Et ça allait prendre du temps. Et à gros coup de flak dans la gueule, nous, on n'allait pas survivre très longtemps. Les rocailleux, c'est moyen. Les nébuleux, c'est moyen. Je pense qu'on va faire... Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a un secteur vert ici. Putain, on a vraiment des secteurs de merde, hein. Alors on va aller chez Rocailleux. J'aime pas trop, hein. Il y a beaucoup de lance-missiles chez Rocailleux. Mais bon, après on est en early aussi. Ok, saut de la baise. Ah super, hein. Ça c'est encore du bon secteur. On a 8 d'essence, va falloir faire gaffe à ça aussi. À peine arrivé à la base suivante, tu peux être navel, vous interpelle immédiatement. Oscar, nous sommes attaqués par des pirates. Bien sûr. Bien sûr que j'arrive. On a quoi? Une TP. Ok, il y a un mongolo qui est passé là. Chéri, il va y aller direct. Ok, lui, il s'est déjà fait fracasse la gueule. Un lance-missile. Ok, nice, on a dans les armes. Là, c'est bon, le fight, il se passe. Là, le fight, il se passe. Faut que j'enlève le tir auto, par contre. C'est ok. Double récompense, non. Le jeu n'a pas voulu. Moi, j'aurais bien aimé looter une arme ou un truc comme ça, quoi. Truc sympathique. Bon, on a passé notre système faible. Mettre la petite bombe en ligne pourrait être sympa aussi. Mais je pense que pour le secteur 2, on n'aura pas besoin. Un troisième shield serait sympa. Mais ça coûte au moins 50, sans parler d'énergie. De esquive. Enfin, tout ça, quoi. Casse-leur la gueule, bien sûr. Le lion. C'est chiant. Je crois que cependant, normalement, ça aurait tiré avant. Je suis pas sûr. Nice. Ok, ça c'est bon. Du coup, on a géré le pire. Ils gagnent leur fight. Ils ont l'air de gagner leur fight. Ça devrait être bon. Nice. Un laser à Falun! Bien, bien joué. Alors j'aurais aimé un petit burst laser 2. Petit burst laser 2, ça aurait été au top. Le laser rafale 1, il demande 2 de puissance, mais il tire 2 tirs. Et ça, c'est cool. Bien mieux que le laser basique, d'ailleurs. Donc j'ai envie de mettre un point en arme pour ça. Et ça va nous rendre tout de suite une run beaucoup plus agréable. On commence à avoir un stuff qui ressemble à quelque chose avec ces deux armes. C'est ok. On garde la petite bombe quand même de côté en attendant. C'est ok, jouer avec la TP, ça peut être ultra rentable. Le problème, c'est que, bah, comme d'habitude, les ennuis sont si vite arrivés. On pense, hein, toujours au troisième shield, enfin, deuxième shield. VX, je l'ai pas soigné, ce serait bien de le faire. Vos instruments captent un appel de détresse sur un signal crypté de la Fédération, et vous découvrez un éclairant pour se chasser par un chasseur rebelle. Salaud, bien sûr que j'ai de la Fédération, les Fédérations, c'est vos amis. Il y a juste ça et un boarding. Bon, ça va, tranquille. En vrai, les armes, je suis insensible, hein. Là, je suis immortel. Du coup, on va TP dans les armes et je vais tirer dans les drones. Parce que son drone, boarding drone, ça fait mal. Je me demande si c'est un ion stunner, d'ailleurs. Dans le pilotage en plus. Petit bâtard. Tiens, prends ça. Voilà, donc là, il est désactivé. Ils vont pouvoir lui casser la gueule assez rapidement. Là, lui est mort. Il y en a un autre qui est arrivé. Il va mourir aussi. Il faudrait réparer cette putain de brèche. C'est bon, ils ont géré.
Leur vaisseau a l'air de proche de la destruction, et les signes vitaux que vous détectez à l'intérieur sont de plus en plus faibles. Et grâce à mon téléporteur, verrouiller toute signature vitale à bord du vaisseau et ramener à bord grâce à l'aide du téléporteur. Et nous avons trouvé Markel. Incroyable. Markel. Non. Ah non. Meurs pas. Non. Toi non plus, meurs pas, gros. Oh, mais lui, c'est une bite en réparation. Oh, attends, on doit heal tout le monde, là. Ça va être un bordel. Nice. Alors du coup, le Rockman, est-ce qu'on n'a pas envie de le mettre en pilotage, en pilote? Je pense que oui, hein. Charles Markel. Attends, qui c'est? Qui ça va être d'ailleurs? Qui a envie d'être un Rockman? Quoi? Qui se fait? Ah non, c'est en face. Parce que du coup, moi j'ai envie de le mettre en pilote. Et l'humain, je le mets où? Bah l'humain, je le mets au shield et le menti, je le mets aux portes. Je pense que là, on a un bon bail. Tac. Ah, personne. Je suis déçu de vous, les gars. Personne n'a envie d'être un Rockman. T'as envie d'être un Rockman? Ok, allez. Trop tard le chat, hein. Merde. Twixie le Rockman. En plus, tu vas être pilote, hein. Et en plus, tu sais casser les gueules. Ah, mais alors. Ouais, est-ce qu'ils sont maîtres d'eux? Ouais, ils sont déjà maîtres au cassage de gueule, donc ça va. On va le laisser là. Ouais, sur une TP, il pourra se défendre. Et on investit dans rien. On n'a pas besoin pour le moment. On a déjà quasi un full crew, hein. C'est plutôt pas mal ça. C'est plutôt sympathique. Les armes, on va se TP là pour qu'ils prennent du temps. Et lui, on va lui casser assez rapidement. Il faut down les armes. Lui, il va tirer. Ils vont être à peu près synchro. Je risque de prendre des dégâts là-dessus. Nice. J'ai pris juste un dégât. C'est ok, tiers. Qu'est-ce qu'ils sont en train de branler? Ils sont allés dans leurs armes. Pourquoi? Il y a le feu. Ouais, il y a le feu. En vrai, j'ai pas du tout envie de me friter dans le feu. Donc, on va bolos leur shield. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des éruptions solaires, faut qu'on fasse gaffe à ça. Ok, c'est bon. Une amélioration, chargeur batterie avec de l'argent. Incroyable. Non, revenez là par contre. Évitez de mourir comme des caca. Nice. J'ai encore le feu quelque part. Mais où? Oh putain, ne pas avoir de capteur, c'est tellement de la merde. Ok, ça devrait être bon. VX, on le healera la prochaine fois. Là, on n'a pas le temps. Petite détresse. On a un quête là-bas. Va falloir y aller. Il est assez loin. On va voir un petit peu si notre chemin... ça peut coller. Un vaisseau sans aucune forme de vie à son bord émet un signal de détresse depuis un champ d'astéroïdes proche d'une grande densité. Vous voulez voir de quoi il s'agit? Ça pourrait être dangereux. Vous trouvez une épave en triste état, recouverte de glace et de cristaux, et vous envoyez des hommes à son bord. Tout a été détruit ou presque, mais une arme semble tout de même récupérable et une caisse, un caisson de stase qui attire votre attention. Alors, ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la quête du Crystal Ship. Crystal Ship qu'on peut débloquer donc avec ça, et on pourra le débloquer aussi quand on aura fini tous les vaisseaux en A, je crois, un truc comme ça. Donc, pas trop besoin de se précipiter. Avoir le caisson de stase, ça vous permet d'avoir un Crystal Man, mais il y a une condition bien particulière, c'est de trouver deux autres... Enfin, en fait, la quête est en trois parties. Ça prend une plombe et demie, on se trimballe avec une merde dans notre vaisseau. On ne veut pas, on veut l'arme. Et c'est un laser rafale 1. C'est plutôt pas mal. Non, parce que là, on joue en hard. Encore en normal, on peut s'amuser avec des Crystal Stase. Enfin, voilà, avec le stase et tout, et essayer de choper le Crystal Man. Par la quête, c'est plus classe. Ouais, mais attends, mec, c'est un enfer. Enfin, là, on joue quand même avec des vaisseaux de gitans forains. Je suis pas sûr qu'on a envie de grid. Là, franchement, laser rafale 1, ça vous met plutôt pas mal, non? Enfin, c'est pas dingue, hein. On n'a pas encore notre armement late game, mais... Bon, on a un armement early.
et c'est beau. J'ai envie du deuxième shield. Hein. On le veut ce deuxième shield. Est-ce que je commence à aller vers la quête? Après, on aura pas mal de sauts. On peut se permettre. Hein. On peut se permettre d'avancer vers cette quête. Il nous faut de l'énergie aussi, une boutique. Plus rien à vendre. Par contre, j'ai pas trop d'essence. Il y a une bébé. Il y a des armes. Ok. Il va juste falloir faire attention à la vie de nos mates. Nice. Ok, ça va à peu près. Il faut aller réparer ça, tac. Ok, ça c'est bon. Ok, ils sont pas soignés. Ah, ils commencent à taquiner en baston les deux là. Hein. Ça se voit que les mandales, ils les mettent. On a même pas eu besoin de faire un aller-retour pour gérer deux Rockmen. C'est cool. Il nous faut de l'énergie aussi. Ça coûte combien encore? 25 là. Fuck. C'est parti pour la quête. On a récupéré un peu d'essence, ça c'est cool aussi. Vous trouvez la planète aux coordonnées indiquées. Vos instruments indiquent que rien ne vit à sa surface et pourtant, lorsque vous émettez sur la fréquence de la Fédération, vous recevez une réponse immédiate. Bien le bonjour! Ça fait plaisir de voir des amis. Nous vous apportons des provisions. Petit drone de combat 2. Alors ça, c'est plutôt sympathique hein, de leur part. C'est plutôt sympa avec de l'argent. D'ailleurs, j'aurais dû mettre un point d'énergie. Mon mauvais. Ok, même combat. On déboîte la gueule à Jackie. Le burst laser 2 qui va tirer à peu près en même temps. Je crois que le burst laser 1. Nice, juste avant, c'est parfait. Les hommes qui sont dans leur casse le cul. Pour le moment, ils doivent être que deux par vaisseau. Donc ça va, la TP, c'est assez facile à gérer. Ce qui est bien, c'est qu'ils font masse XP là-dessus. On a récupéré 5 d'essence. On est très bien dans la game. Pour le moment, c'est cool quand même. J'ai envie de dire... on se fait plaisir. On a encore 20 points de vie. Par contre, il est l'heure de se casser. On récupère de l'essence. Vous repérez un petit vaisseau rebelle non loin. Il semble avoir été modifié pour transporter du matériel plutôt que pour combattre. Bien sûr. Bien sûr qu'on va lui casser la gueule. Essayez de se barrer. Alors, attendez. Ah. 12 000 trucs à gérer. Ah, mais il est armé comme un clodo. Incroyable. Ok. On va y casser la gueule à lui. On va tirer dans un medbay. Ah, il est déjà mort? Ok, c'est bon. C'est le dernier à tuer. Là, on craint absolument rien. Et un petit missile anti-coque. Et ben ça fait plaisir. Et on a qui? On a Phoenix, il est passé maître. Mettre en fight. Fighto. Ça, c'est cool aussi. J'aurais bien aimé une salle de TP à 4. Hein. Là, avec autant de membres d'équipage, ça pourrait envoyer du pâté croûte. Bon, en vrai, il n'y en a pas forcément besoin. 54 de ressources, il y a une boutique. L'aller-retour n'en vaut pas la chandelle. On va aller sur un secteur civil. Moyen de trouver quelques magasins. Ça peut être sympa, des nébuleuses. Ok, on n'en a que quelques-unes. Oh là là, ça a l'air d'être chiant. Hein. Là, on a vraiment... Mantis B pour la salle à 4. Ouais, c'est vrai, c'est le Mantis B. Ils sont en train de partir. Ils ont le Med B. Même combat, on va aller là, je pense. Il
faut dans les armes. Il faut dans la medbay. Je pense qu'on va dans la medbay plutôt. Incroyable de cul, Yul. Merci énormément pour le resub. Oh là là, 11 mois l'affilée. C'est beau, Patrick. C'est beau ce que tu fais, Pat. Il y a le feu, hein, donc on va laisser faire de la merde. Arrivez-vous. Juste pour donner les armes. Ok, c'est bon. Merde, ils ont réparé la medbay, ces connards. Non mais tuez-les. C'est ridicule. Incroyable, Yul. Merci énormément. 11 mois à la file, putain, c'est beau, Patrick. Comment ça va, gros? Ah, faut aller réparer ça. C'est un Shiryu qui a pris un level. Ok, on a bientôt 2 mètres en baston. Eh bah écoute, ça va tranquille. Ça va tranquille, ça se passe. Fais un petit FTL. En mode posé. C'est beau FTL. Moi j'avais hâte de jouer à FTL en plus. J'avais trop envie, limite j'allais le faire off-stream, tu vois. Puis après je me suis dit quand même, ça aurait été un scandale de faire ça off-stream. Non. Faut que j'arrive à faire partager cette petite passion là, pour les jeux vidéo indés. On a 80 thunes. Est-ce qu'on veut quelque chose? On voudrait de l'esquive, peut-être la TP niveau 2 aussi. Ça serait moins casse-couille. Et les armes. Les armes, puisqu'on a un autre burst laser 1, un laser rafale 1. Ça pourrait être pas mal. Dès que vous arrivez à cette balise, vous êtes surrangé par des messages publicitaires marchant à proximité. Oui, j'accepte. Parce que j'ai beaucoup de missiles et les drone parts vont être plus utiles, je pense, en endgame que les missiles. On utilise très très peu notre small bomb. On n'aura pas forcément besoin et de toute façon, ça ne collera pas dans un stuff late game avec 3 d'armes. Sauf si on a par exemple un Vulcain. Vous détectez un éclair rebelle automatisé attaquant un petit avant-poste de ravitaillement. Oui, on va lui casser la gueule. On est safe. Easy. On va démolir un peu otage d'abord. Il a de l'esquive, le petit. Petit salaud. The Division 2. Empêche, on pourra XP là-dessus. On est où au niveau du pilotage et tout? C'est qui la queue au pilote? Ouais. On va se faire chier. On va se faire chier. À l'aise. Laser lourd, hein, c'est vraiment une bonne arme. Hein. Lorsque le vaisseau de reconnaissance explose, vous recevez un message de l'avant-poste. Merci beaucoup du coup de main. On n'arrête pas de se faire assurer par ces éclairs. Tenez, prenez ceci, c'est offert par la maison. Nice. De l'argent. Beaucoup d'argent. Et on a une boutique. Est-ce qu'on a envie d'y aller maintenant? J'ai des choses à revendre, mais est-ce que j'en ai assez au cas où il y a un camouflage? Oui. Je pense que oui. Du 7 au 10, c'est la bêta. Alors, on a les capteurs qu'on n'a pas. C'est plutôt sympa, mais c'est pas forcément obligatoire. Ça peut être le stress avec le feu, tout ça. On n'est pas obligé d'en avoir. Contrôleur de drone, ça nous rendrait safe avec les lance-missiles, ce qui peut être agréable sur un... En fait, si votre vaisseau est bien tanky, en soi, après, on se prend plus trop la tête avec la TP, on a le temps de faire plusieurs TP, etc., etc. Tout ce que je sais déjà, c'est que je vais vendre ça, je vais vendre le combat de 2, je vais vendre le laser basique. Laser basique. Ça, c'était sûr et certain. On a 190 balles. Pas besoin d'acheter l'essence, ça devrait être ok, on peut se réparer juste de ça. Donc là c'est... et salle des clones aussi, hein. Salle des clones avec TP où on se prend plus la tête.
Et d'ailleurs, j'ai un autre truc à vendre, c'est le chargeur de batterie. Est-ce qu'on en a besoin? Moi, je pense pas. Hein. Notre vaisseau, de toute façon, on va pas avoir tant d'énergie que ça à gérer. Je pense qu'on peut le vendre pour le moment. Alors, contrôle de drone avec le défense 1, oui. Est-ce qu'on prend la salle des clones? Je pense que oui, en vrai. Salle des clones, c'est vraiment cool. Hein. Même pour les events et tout, on se prend moins la tête. On se prend moins la tête. Et après, qu'est-ce que j'ai envie? J'ai envie d'up mes armes pour au moins mettre le laser rafale 1 à la place de la petite bombe, là. Ça pourrait être cool. Il nous faut de l'énergie aussi pour, au cas où, mettre le défense 1. C'est 50. On va faire ça. Ça nous fait un buffer, c'est pas très grave. Et on va profiter des nébuleuses. Ouais, la cale était pleine. Ouais. Ah, c'est bon, la cale est vide. Vous arrivez dans un secteur des nébuleuses où la template de Pasma fait rage avec la rebelle automatisant poste de la base s'apprête à attaquer. Alors là, ce qui est bien, c'est que maintenant, on peut TP nos membres d'équipage, même si c'est une suicide mission, juste pour démonter un truc. Ça peut être ok. Est-ce qu'on fait ça d'ailleurs? Genre là-dedans. Pas dans les shields, je pense, dans les armes. Là, ce qu'on veut, c'est virer ça. Est-ce qu'on veut virer notre shield? Incroyable! On veut virer notre shield pour avoir le laser lourd, je pense. On a de quoi mettre un shield quand même. Ils vont déboîter les armes. Il y a le hacking en face. Y'a le King qui est parti. Il va à quoi? Pas ATP? Ah si, ATP, il les renvoie. C'est du génie. Du génie, du génie. Ah oui, c'est un petit génie. Bravo, Lia. Ça, c'est bon, ça. Ça, j'aime. Ça qui me plaît. Oxygène, ça va pour le moment, 67, on est bien. On est ok, et c'est la mort. Ah non, c'est vrai que maintenant j'ai plus de medbay. J'avais oublié ce petit détail. Mm-hmm, mm-hmm. 34 de ressources. On va attendre. Et yo Eldes, bah écoute très bien et toi? Ah. Ah, il essaie de se barrer aussi. Il a un lance-missile. Est-ce qu'on veut... ça, déjà, on est safe. Est-ce qu'on veut mettre notre défense en ligne? Ça se réfléchit. Ça peut être ok. Pour éviter de prendre des dégâts pour rien. Donc, on va viser le pilotage. Là, normalement, on est safe. Juste dans le pilotage. On va viser les moteurs maintenant. Ouais, j'ai voulu aussi la clone bay. Ok. Un petit peu de ressources, ça fait toujours plaisir. On veut notre autre arme en ligne, je pense. Ah bah au pire je les suicide, non? Ouais, en fait c'est ce que j'aurais dû faire déjà de base. J'avais oublié qu'on pouvait les suicider. Alors le problème du suicide, c'est qu'ils perdent en niveau. Ils perdent de leur expérience, donc du coup ça va plus être des maîtres en combat. Mais c'est pas grave, vaut mieux qu'ils aient qu'ils soient full life plutôt que qu'avec 3 points de vie quoi. Pour le prochain abordage. Même s'il tape un petit peu moins fort. Ça reste une quinzaine de pourcents, je crois, en moins. C'est pas si grave. Ok. Et on est bon.
À votre arrivée, vous remarquez de nombreux vaisseaux rassemblés autour d'une station qui communique en clair. Vous vous calez sur leur fréquence pour essayer d'apprendre quelque chose d'intéressant. En écoutant leur conversation, vous apprenez qu'ils ont besoin de récupérer un vaisseau ennemi intact. Il scanne rapidement votre astronef et vous envoie un message. Nous aurons besoin de votre aide. Des bandits ont volé une cargaison très importante, mais je doute qu'il y ait à moindre idée de ce qu'ils nous ont dérobé. Nous voudrons que vous capturiez leur vaisseau intact. J'accepte. Très bien, nous vous envoyons ces coordonnées. N'oubliez pas, il ne faut surtout pas détruire le vaisseau. Nous serons juste derrière vous. C'est à côté, c'est ok. Trouvez le vaisseau qu'ils ont demandé de capturer intact. Vos instructions sont claires. Il est primordial d'éliminer l'équipage sans détruire l'appareil. Ok. Alors, le truc, c'est qu'il y a une medbay. Au niveau de l'armement, c'est propre. J'ai envie aussi de la petite bombe. Je pense qu'on va mettre la small bomb dans la... là-dedans. Nice. Ah, il va faire tomber ça juste avant. La bombe qui pète, ça c'est nice, l'autre est mort. Ok, alors par contre faut que je fasse gaffe avec mes... Oh, remarque, on a la clone base, pas très grave. Même si quelqu'un meurt, c'est ok. Sécurisez le vaisseau, apprenez à arriver et attendez l'arrivée des marchands. Lorsque ceux-ci apparaissent enfin, ils vous contactent. Beau travail, au fait, nous préférions que vous ne parliez à personne de toute cette histoire. Bon, ils m'ont offert une bombe de merde, mais c'est une arme, hein. C'est une arme, c'est ok. Moi j'accepte. Et yo, Xam the One, bienvenue à toi. Ça me paraît bien parti tout ça. Ouais, ouais, la game a l'air d'être bien partie, clairement. Ça a changé de la run d'hier où c'était... En fait, la run d'hier, on a eu à la fois une RNG complètement surcraquée et à la fois... Enfin, dans les deux sens, finalement. C'est-à-dire qu'on a fait des drops scandaleux. Et on est tombé sur des vaisseaux avec des 3 shields secteur 4 avec de l'armement à 6, un truc comme ça, avec double laser lourd. C'était un enfer, quoi. C'est juste fait chier dessus sur des trucs qui n'auraient jamais dû arriver. 71 de ressources. Est-ce que j'investis dans un truc? On avait dit l'armement, on avait dit esquive, on avait dit énergie, on avait dit plein de choses finalement. La TP aussi. Ah. Ce qu'on attend. C'est grid, hein. Grid un peu. Un certain nombre de vaisseaux sont stationnés autour d'une aire de repos. Vous recevez immédiatement un message en disant « Si vous cherchez des hommes pour votre vaisseau, vous êtes au bon endroit. » Alors on a 2, 4, 6, 7 membres d'équipage, ça serait le dernier. Donc, je pense qu'on s'en tartine franchement l'arrêt. Les propositions n'étaient pas dingues. Pour une meilleure donne aujourd'hui, ouais, clairement. La valise de E13 provient d'un vaisseau civil qui semble être prise en chasse par les pirates. Bien sûr, je porte... Lance-missile pas gentil. On a un double shield en face. On va faire ça. On a peut-être besoin des cibles. On pourra enlever ça derrière. On va se TP où? On va se TP dans le pilotage, je pense. Ouais, les Rockman vont être loin. Donc là, on va juste faire ça comme ça. Et on va tout balancer dans les armes. Tac, tac, tac. Ça devrait être bon. Ah, putain. Non, non, non. J'avais dit esquive, l'esquive. Oh, le petit point d'esquive qui fait tout. Qui a fait la différence. La bête est tombée. Donc ça, c'est bon. On va juste essayer de shoot les armes. Nice. Oh, il l'a tanké! Il est où l'autre? Non, 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 ils vont crever! Faites pas ça, les cons! Non, non, les armes! Ok, c'est bon. Vite! Incroyable! C'était encore les civils.
Non, calmez-vous. Tout le monde se... Putain, oui, il faut que j'évolue la clone bear. Ou alors, faut qu'on récupère la backup d'IA Bank. Tiens, va mourir d'ailleurs. J'ai la flemme de te téléporter back. Ah, c'est vrai qu'il faut qu'on évolue la clone bear pour ça. Ça va être franchement l'angoisse. On a qu'un seul NJ pour réparer. Il va pas être assez rapide, surtout pour aller jusque là-bas. Il me faut de l'énergie aussi. Il me faut plein de trucs. Il me faut plein de trucs. On va dire ok là-dessus. Investir dans les téléporteurs à ce stade, c'est pas dégueu. Je sais pas, téléporteur 2, est-ce qu'on a vraiment besoin quand on a une clone bay finalement? Téléporteur 2, c'est bien pour faire comeback ou alors envoyer plus de gens. Mais là, j'ai pas forcément tant que ça de personnes à envoyer. J'ai juste un Mantis qui se fait chier, mais je pense que c'est ok, tu vois. Deux Mantis, en vrai, ça peut mettre la tatane facile à 3 personnes en face pour le moment. Vos appareils vous révèlent la présence d'un important champ d'astéroïdes non loin. Vos scanners à courte portée pourraient détecter des ressources, bien sûr. Fuck. Y'a le feu. Putain de nom de dieu, j'avais pas vu que le feu était là. Est-ce qu'il... Pourquoi il est dans cette petite salle d'ailleurs le... C'est étrange. Énergie du laser pour les serveurs moteurs. Moteur, ouais, faut que j'évolue. Non mais là en énergie c'est bon. Mais ça me faisait peur aussi des... C'est dégueulasse. Ok, on a plus que deux sauts. Ah, camouflage, vraiment. Ils sont où? Ok, ils sont là. Vas-y, gros. Hein. Ah, mais c'est un NG? C'est une blague. On va se TP. Ils ont des armes vraiment violentes là. Et il va tirer en premier. On va se TP là-dedans. Après leur vaisseau il est mal équipé en soi. Ok, ça fait mal. Ça. Ok, nice, ça a été rapide et efficace. Les shields qui reviennent, c'est bon. Alors attendez, ce genre là. Là c'est j'ai envie de dire what the fuck is going on. What the fuck. Les gars, les deux shields hein. Ouais c'est bon. On en parle plus de ça. Tout a arrêté de brûler, c'est bon. Emmenez les potes. Ouais, après, c'est vrai que les moteurs c'est cool à level up. Le problème des moteurs c'est que c'est full random quoi. Toujours ça, son petit souci. L'esquive a toujours été tellement random dans ce jeu. Ok, cassons-nous. Mais là, on a de l'énergie à revendre. Un vaisseau arborant ouvertement les couleurs des pirates gravité autour d'une lune à proximité. Il diffuse un message indiquant qu'il a de l'équipement à vendre. J'ai pas forcément envie d'avoir un magasin. Je pense qu'on va juste l'attaquer, là. Remarque, après, j'ai plus beaucoup d'essence. Ok. Ah, ils sont juste deux clodos là? Trois clodos? Mais non! Remplisse quoi? Le buffer qui fait la différence! Ok, ça c'est couché déjà. Nice. On a les deux potes. Et du Yuri.
Vous aimez bien, vous savez. Hey yo, Ned! Comment ça va, gros? Honnête TV. Bon, écoute, ça va, hein. Ça se passe. Ce matin, je fais du petit Overwatch. C'était incroyable. On a joué avec des bons cotorep. Bien comme on les aime, finalement. Non, c'était cool. En vrai. On va sauter déjà au secteur suivant. C'est un contrôle mantis, beaucoup de TP. Ça va être plus difficile au niveau des combats en TP, mais ça peut le faire. Est-ce qu'on a déjà un shop pas loin? Non, on a un secteur qui est mitigé, je dirais. C'est un peu bizarre comment il est fait. On a envie d'investir dans nos armes, peut-être. Et là, du coup, on va switch d'armes. Est-ce qu'on garde la small bomb? Je pense pas. Je pense que double laser rafale 1 et un laser lourd, c'est plus... C'est plus au quai tiers. On va partir là-dessus. On va mettre un point là-dedans. Personne n'est maître là encore. Mais c'est une fucking balle. Hein. Oh là là. Là, le mieux, ça serait de trouver un vaisseau pour XP, quoi. Diablo. Ah. Tu pourrais swapper ton équipe de mantis entre deux sauts. Dans la carte pour les asphyxier. Pour pas les asphyxier à chaque fois. C'est vrai, mais les autres, ils ont pas trop level up en fight. Ça fait le café avec les medbay. Ouais, mais en même temps, regarde, un double laser rafale plus un laser lourd. Au moins, par exemple, s'il y a les armes et la medbay à viser, je balance les doubles lasers dans les armes et le laser lourd dans la medbay. Finalement, c'est pareil, tu vois. Après, le problème de l'esquive, elle se pose pareil avec la bombe plutôt que... Tu vois, un double laser, est-ce que finalement, ça fait pas plus le café que juste une bombe? Parce que déjà, ça fait les dégâts derrière. Et en plus, le laser lourd... Laser lourd, il n'y a pas photo parce qu'il peut provoquer le feu, etc. Il fait des dégâts au moment de l'impact, plus qu'une bombe, je crois. Et laser 1, bah finalement, il va démolir plus de shield. C'est plus d'investissement, ça c'est vrai, mais là pour le moment, on peut se le permettre. Mais là, de toute façon, j'ai pas du tout un stuff late game. Hein. Là, avec 3 slots d'armes, il va vraiment falloir que je trouve un truc solide. Tout ce que ce base a à offrir, c'est espace. Oui, très bien. Il est vraiment dégueulasse le secteur. Un jeune mantis à uniforme cassiné vient de se téléporter à votre bord. Il vous supplie de le protéger des NG, jurant de servir si vous acceptez. Quant aux NG, ils ont détecté l'usage d'un téléporteur. Vous offre un marché si vous acceptez de leur livrer le prisonnier. Ouais. Ah! Il m'a niqué quoi le bâtard? J'ai pas vu. Il s'est rebellé, c'est ça? On a quoi? Un burst laser 2, un ion? Ouais, mais attendez, non. Ils sont tellement longs, quoi, au secours. Ça dans la medbay. Ah oui, parce qu'ils ont le NG Medbay dispersal de ses morts. Ah oui, non, mais en plus, j'ai switch des armes. Putain, mais j'étais vraiment à l'ouest. À l'ouest complet, quoi. Ça va être la galère. Ok. On a tous les deux. Toujours TP direct. Ok, ils ont plus de medbay. Viens par là, toi. Un mantis qui est mort encore. Deux mantis. C'est pas le vaisseau de la détente là en face. Hein. Non, mais esquive aussi un jour! Thank you.
Ok, les armes, c'est bon. Et ben la vache, quoi. Oh, les salauds. Un calvaire, hein. C'est qui, là? C'est Shiryu. Ok. Putain, on a pris tellement de dégâts sur ce combat. Ça, ça me fait chier un peu. Hein. Vous apercevez une station spatiale civile ayant subi d'importants dégâts. Et au même moment, vous recevez un message. Nous sommes victimes d'AIA. Nous avons besoin de pièces de drone. Oui, 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 non. Bah, en fait, j'aimerais bien me faire de la thune, mais les pièces de drone, je vais en avoir besoin, quoi. Je vais en avoir besoin. Et yo Reaper, les elfes incroyables. Un vaisseau mantis passe devant vous, arme activée et moteur à pleine puissance. Votre sim est visible sous la forme d'un spot de radar à vos écrans. Ouais, 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 ouais. Ah. Ils sont vraiment stuff comme Jaja les types, hein. Il y a une TP, elle est où? Elle est là, ok. Un clodo d'Enji. En même temps, ça me plaît un peu, ça. Le problème, c'est que les doubles lasers lourds, ils vont tirer avant. Okay. Non! Oui, nice. Ok, elle tire juste un tir. Juste un shot, ça devrait être bon. Ah d'accord, ok. Bah, très bien, on est là. Nice! Et double récompense, ça, ça fait plaisir. Le goût du travail bien fait, finalement. C'est vrai qu'en fait, mon menti, je préférais l'avoir là, quoi. On s'en fout un peu de le mettre dans les portes, non? Est-ce qu'il y a un intérêt? Après, le problème, c'est que mon deuxième menti, c'est celui qui est au moteur, quoi. Et est déjà devenu maître. J'aurais dû les switch en fait les deux là pour avoir deux équipes de Mantis ready to fight. Ouais, 96 de ressources, il faut investir. Deuxième shield c'est 100 balles. Trop cher pour le moment. On a besoin de plus de moteurs je pense. Sûrement besoin de plus de moteurs. Après, la TP2, si on met double mantis, c'est chiant, quoi. Ça va pas être... On gagne 5 secondes là-dessus. Je pense que je mets au moins un en plus en esquive. L'upgrade des portes. Bah, pour le moment, c'est pas si intéressant, non? Enfin, de toute façon, sur les boardings... J'ai assez de membres pour gérer ça, quoi. Vous repérez un petit vaisseau rebelle non loin. Il semble avoir été modifié pour transporter du matériel. Oui, bien sûr. Bien sûr qu'on va lui casser la gueule. Bien sûr qu'il va essayer de se barrer. TP, là. Into défense drone. Into, on n'a pas besoin de shield. Et toi, tu vas y aller. Il nous faut viser à Med Bay. On n'avait pas besoin de viser autant, je pense. Ok, tac, tac, tac. On va faire ça. Un petit drone antipersonnel. Ça fait plaisir.
Et tout le monde a son poste. Mmh. 71 de ressources. Bah, c'est pour un shield, ça c'est sûr et certain. Que dalle. On peut continuer à visiter un petit peu. Il nous faudrait un magasin, ce serait cool. Ça, ça peut être chiant. Un truc là-bas, on a combien de personnes? Juste une, deux, trois. Ok. On va essayer de les régler le plus vite possible. Ils vont tous gagner leur fight. On peut sauter avant le feu. Ok, ça c'est chiant. On a quoi? On a 3 shields, une bombe, un drone, un ion. Il me faut mon défense. Et puis c'est tout. On va tirer dans les shields. Normalement ça devrait être ok. Ah mais le problème c'est qu'il va gogoliser avec les météorites. Alors s'il te plaît, occupe-toi du missile. Nice. Ok. Ok, on a réussi à down un shield, c'est pas mal. Missile. Nice. Oh, j'ai eu chaud là. Ok, maintenant il faut tout mettre dans les armes, dans ça. Ça va être ok, j'ai pris un peu de dégâts. Pareil ça par contre. Allez, c'est tout bon. Cinq de ressources, c'est pas génial. Mais comme on dit, ça fera l'affaire. Ok, on met un point là-dedans. Avançons. Allez, un petit magasin, moi j'y crois à mort. Et yo Shell, incroyable, comment ça va? Vous détectez une capsule de sauvetage dérivant de loin et vous la récupérez. En apprenant qu'elle provient d'un vaisseau Mantis, vous demandez sérieusement si vous ne feriez pas mieux de la jeter dans le vide. Alors... si j'ouvre la capsule, est-ce que je peux prendre des dégâts sur le vaisseau ou si c'est juste un membre d'équipage qui meurt à la alien? Si c'est le cas, avec la Med Bay, normalement, le Clone Bay, pas de problème. Je pense que personne ne le sait. Je vais ouvrir la capsule. Twix est mort. Des intrus à bord. Mais Twix y revient. Ils sont où? Il y a juste lui, là? Bon, on a une chance sur deux. Fallait piffer, quoi. Vous n'êtes pas joueur. C'est ça, votre problème. Vous n'êtes pas joueur. J'ai 6 points de vie. Et on a une boutique. Alléluia. Pour la fin, mes parents viennent de passer l'après-midi à la maison. Ah, ça marche, sérieux. Des bisous. Ça passe large. Incroyable du cul. Et merci, incroyable. Fox Maya qui resub 18 mois à l'affilée. Oui, il est là, il est présent. Toujours debout, toujours la banane. Merci énormément, Maya. Aïe aïe aïe, ce Maya. Ouais, Jenny, je sais que t'en... franchement, des CA1, c'est doux. Est-ce qu'on garde le drone anti-personnel? Ah non, c'est à bord de mon vaisseau. En vrai, ça, je m'en tartine un peu, quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'on se répare. Et qu'on achète de l'essence. Ça, ne l'oublions jamais. Contrôle mental, c'est bien aussi. Hein. Contrôle mental, c'est ok, tiens. DC1, c'est fort. C'est très fort. Je pense même que je vais prendre DC1, déjà. Je vais virer un laser rafale 1. Ça, c'est quasi sûr. J'ai plus assez pour le contrôle mental, tant pis. On achète un peu d'essence. C'est all good. Contrôle mental aurait été ok, mais pas tout de suite. Pas pour le moment. On n'en a pas forcément besoin, je pense. Vous arrivez à proximité d'une station spatiale endommagée. Elle semble avoir été abandonnée. Pourtant, vous détectez des signaux vitaux à bord. Mais ils ont l'air pas très faibles. Bien sûr, je vais fouiller des débris. Parce qu'on s'en branle d'avoir quelqu'un. Nous, ce qu'on veut, c'est de la thune. Zoltan Mantis. Mantis.
T'as fait que 3 heures de stream, Aya. Non mais c'est rien, 3 heures. Contrôle mental, ça fait le café. Ouais, mais... Ouais, non, mais je comprends pour le boss. Mais là, pour le moment, on peut pas s'équiper pour le boss. Enfin, déjà, avoir un armement solide, c'est... C'est un peu plus important. Le DCA 1, en fait, j'ai deux DCA 1 avec n'importe quelle arme derrière. C'est ok, tu vois. Laser Rafale 1, c'est trop faible. Le DCA 1 est vraiment, vraiment meilleur. Là, au moins, ça ouvre les shields avec les deux armes derrière. Ça peut passer. Là on a l'armement pour aller jusqu'au secteur 8, normalement. Après, on peut l'améliorer et qu'il soit meilleur. Ça battra pas le boss. Mais on a un armement correct. Je sais pas. Après, j'aurais peut-être pas dû me réparer autant. Ouais, prendre le contrôle mental. On aura l'occasion de le retrouver. J'en suis certain. Stream du Fortnite. Un petit vaisseau civil survole dès que vous arrivez. Ah. 4 dessins, il m'en reste plus que 3. Non, va te faire enculer. Déjà, hier, on avait fait ça et une boutique. On va faire cela. Ouais. On avait fait ça hier, on s'était foutu à la merde. Sort de question. Tu vois, ça, c'est le cas typique où le contrôle mental, on s'en... Vraiment, on s'en tartine les miches. Est-ce que je balancerai pas E2, là, pour casser un peu ça? Je pense que oui. Celui-là, il est trop énervé. Ils ont juste Aldan, il aura pas de buffer là-dessus. Compliqué. Par contre, il a vraiment un buffer là. La TP qui a pris une. Qui a une bombe, c'est bon. Non. Calmez-vous. J'ai mal synchronisé au début. Ah, il y a le feu là-dedans. C'est chiant. Ça va être ok, lui il a réparé ça, c'est bon. Ok, 37 de ressources. C'est bof. Mais c'est ok. Du Minecraft. Si tu fais des quick kills au téléport, tu prends moins de dégâts. Investir ton scrap à long terme. Bah en fait moi ce que j'aime pas trop justement avec le mind control, c'est que tu pars rapidement les ennemis quoi. Il y en a un forcément sous le mind control. Alors après si tu le gardes niveau 1, ça va, c'est quand même assez court. Mais sous mind control, bah juste le type il se balade et il fait de la merde quoi. Et du coup si l'armement est violent et que tu t'as pas de quoi anesthésier l'armement, bah tu te fais un peu marcher dessus. Piratage. Tu vois là le rayon H. Le rayon H c'est sexy quoi. Avec l'armement que j'ai. Là je peux virer. Je peux virer beaucoup de choses quoi. C'est pas dégueulasse hein. Là, ça me fait virer le laser lourd, quoi. Où est-ce qu'on garde le laser lourd? Ça fait 3 et 2, 5 avec le flak. Si on garde le heavy laser 1, ça fait 7 en armement. Le lourd, ça fait 6. On a 6 déjà, non? 3 et 2, 5. Non, on a 5 en armement. Il faut investir moins. Non, pas forcément de plus. Dessin, rayon H, on peut laisser tourner ça comme ça. Après, on a toujours ce problème d'essence. On a toujours envie du troisième shield. C'est là le problème du rayon H.
c'est que il charge en 17 secondes. Contrairement à mon armement, il tire en 11 secondes. C'est le plus chiant, en fait. C'est le plus chiant, c'est que c'est peut-être pas maintenant qu'il faut prendre ce genre d'arme. On est à quel secteur, là? Secteur 5. On a encore deux secteurs devant nous. Il y a moyen d'attendre encore un peu, je pense. Là, c'est limite le troisième shield à mettre en place. On n'a pas l'énergie pour... Hey yo, génie, comment ça va, gros? Je pense qu'on va juste acheter de l'essence. Let's go. Le rayon H en late game, ouais. Mais c'est peut-être trop tôt. Vous apercevez un éclair rebelle automatisé dérivant près de la balise. Il est en parfait état et pourtant tous ses systèmes semblent éteints. Il a un lance-missile, un ion blast, c'est tout. Ça me paraît bizarre, là. Il se fait comme un clodo. Bien sûr, on va tenter. Télécharger. Il paraît venir récupérer toutes les données du vaisseau concernant le secteur. Nice, on a un scout. Ok, on a l'autre boutique qui est là. Comment ça, ces deux sauts, c'est de la merde? Ah. Du coup, est-ce qu'on va pas à l'autre boutique? Ça dépend si on se fait de l'argent ou pas. 1, 2, 3. Après, c'est direct là-bas, quoi. Là, le secteur, il est vraiment moisax, hein. Eh bah écoute, ça va très bien, génie. Très, très bien, vous apercevez une station civile. Vendre des parts de drones? Non, mais on en a pas assez, clairement. On a besoin de nos drone parts. Là, les missiles, on a vraiment une chier plus 12, mais les drone parts, ça... Vous repérez un petit vaisseau rebelle non loin, il semble avoir été modifié. Oui. Non. On a une medbay, on a une TP, on a un flag 2, un burst laser 2. Oui. Ils sont bien équipés, les petits salauds. Ils sont où? Marave la TP, vraiment? Vite. Oh non. Vous me l'a cassé, ces connards. Ça m'emmerde. Ok. On a réussi à défoncer ça. Ils ont TP back. Ils sont où? Non, mais non! Mais vous êtes vraiment des coteaux, c'est pas possible! Toi, tu meurs. Toi, tu meurs. Tu essayes d'éteindre le feu, vas-y. Hein. Vas-y, je te regarde. Fouillant les débris du cargo, vous retrouvez les schémas de drones militaires. Vous parvenez à afin de les installer sur votre vaisseau. Surcharge de bouclier, c'est très très bien et ça coûte super cher. C'est cool. Ça, ça fait plaisir par contre. Ça fait plaisir, l'oxygène, c'est bon, c'est revenu. C'est des vis là, ouais, c'est clair. Bah, c'est surtout que là, les missiles, j'en vends 45 s'il veut. Hein. Bon, j'en ai 35 en soute, mais on peut faire un petit crédit, tu vois. Ouais. Non, mais ça va passer là. Ça va passer quand même. 161, on va d'abord la boutique. En vrai, le drone surcharge, putain, il coûte 3. Faut que j'augmente de 1, mais ça vaut le coup, hein. Hacking, c'est bien. Ils ont que dalle. Ça vaut 30 balles. Mais en vrai, c'est fort. Le problème, c'est que mettre les deux en place, ça me coûte 5. C'est pas forcément obligatoire, hein, surcharge. Trop cher. Est-ce qu'on le revend? Est-ce qu'on achète, du coup, piratage? TP piratage, c'est bien. Genre la medbay. Il y a du fun en barre à se faire. Le problème, c'est au niveau des drone parts, ça va me coûter super cher, quoi. Là, j'aurais bien aimé avoir le piratage. Enfin, le hacking ou... non, le mind control ou le cloaking. Les deux auraient été bien. Je pense qu'on le vend. On n'a pas assez de drone parts pour se permettre de... Les capteurs, est-ce qu'on les achète, là, du coup? Capteur, c'est bien, mais c'est pas du tout obligatoire. Là, on a de quoi acheter le troisième shield, hein.
finalement. Parce que c'est pas le bon move. Est-ce qu'on a un autre magasin maintenant? De toute façon, on a eu le scout. Je pense qu'on passe troisième shield. On a un peu. Là, ouais, on est très léger. J'ai pas trop envie d'en acheter, ça coûte trop cher. On a là sur un pulsar. Oh là là. Putain, le secteur quoi. Pire secteur au monde. Ils sont stuff comme des clodos. On est immortel. Eh ben allons-y gaiement hein. Faut juste que je détruise la medbay. Tiens par là toi. Toi viens par là aussi. Ah mais non, je suis pas immortel du tout. Oh le feu, non. 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 Mes shields à ta faute. Oh là là. Ils l'ont réparé. Casseur la gueule, vite. Vite, le plus rapidement possible. Y'a le feu qui est pas. Non, y'a le feu là-dedans. Y'a le feu là-dedans. Vite. Arrête. Meurs. Y'a plus personne dans ton vaisseau de merde. Comment ils l'ont réparé aussi vite, leur maître belle, hein? Quelqu'un peut expliquer? Lui, il va mourir, hein. On spoil. Vite, il va mourir. Le problème, c'est que, et s'ils vont mourir aussi? Il y a un peu partout, hein. Ok, très bien, super. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir à peu près tout le vaisseau. Non, c'est une mauvaise idée. J'ai plus de porte. By the way, foutiaille. Vous deux, vous revenez. Mais quel sac à merde! Oxygène est revenu. Mais non, mais... Non, mais ça peut mieux ioniser les deux, là, vraiment? Non, ça mieux ionise qu'un seul, on est d'accord? Si là, je les sacrifie, eux deux, ils meurent tous? On a perdu qui? On a perdu un de nos combattants, c'est ça? Et j'ai pris 1 milliard de dégâts, merci beaucoup. Taikimi, comment ça va gros? Putain non! Oh mais vous me faites chier quoi, c'est pas possible. Putain mais allez vous faire des gaufres là. Allez vous faire des crêpes. M'emmerdez pas. Eh ben écoute, ça va très bien. Putain, dire que j'étais safe sans cette saloperie de pulsar là. Putain, et puis le pulsar à chaque fois c'est freestyle hein. Kinvir, ouais, c'est vrai que t'as encore envie, toi. Je sais pas comment t'as fait pour rester en vie aussi longtemps. Hein. Tu méritais peut-être pas. 1, 2, 3, est-ce qu'on a le temps? 1, 2... Non, on n'a pas le temps. Est-ce que j'ai envie d'investir? Je ne sais pas.
Je ne sais plus, je ne suis plus sûr de rien. Un vaisseau Mantis. 2 plus une bombe. Ok. J'accepte. On a une medbay. Ok. Ils vont TP. Ok. Yo Jackie, 2 Mantis là-dedans. Stopper ça. Tout de suite. Tac tac tac. On va envoyer la prune dans. Ok, ils ont TP back. Et c'est bon, allez. Ok, la bombe elle a rien fait. Tout le monde est mort, non? Tout le monde n'est pas mort. Nice. Revenez, petits amis. Je vous montre un endroit super sympa. C'est ce qu'on appelle le vide intersidéral. J'ai pas vu, on s'est fait des couilles en or un peu? On a rien de loot? Ok, bon, ça va, ça va, ça va. Il y a moyen de quand même de revenir. Malgré le fait qu'on ait pris 40 000 de dégâts. Voilà notre troisième shield. L'armement est quand même correct, ça va. C'est toujours un coup au moral. Mais c'est ok. Faudrait que mes types passent maître aussi un jour. Ah! Eh ben, on va attaquer ces esclavagistes. Pour essayer d'obtenir une meilleure récompense encore. On a une clone bay, c'est ok. 3 shields, c'est moyen ok. On va se mettre là, tranquille. Un Glaivim! On a le temps de tirer deux fois, oui. On a largement le temps de tirer deux fois. Ok, donc là il va falloir démolir les armes par contre. Non, double. Ce jeu c'est un peu de la merde des fois, je me dis. J'avais pas mis esquive by the way. Apparemment j'étais confiant là-dessus. Putain, une clone bay. Mettre en arme. Le problème c'est que c'est l'NJ qui est aux armes. Et il est déjà maître. Mais bon, c'est un membre d'équipage. On peut avoir mieux, non? On peut avoir mieux le. Je suis sûr qu'on peut avoir mieux. En TP et tout, faut pas déconner. Hein. Ok. Tac tac. Il casse la gueule, il y a un dernier qui arrive, c'est un Rockman. Bon là avec ses ions on s'entartine l'arrêt. C'est tout? Je suis un peu déçu quand même. Ok, secteur suivant, NJ Nébuleuse, on va aller NJ. 3 magasins. C'est là où il va falloir prendre. D'où il prend le. Bah, pff, après, le problème, c'est que mon NJ, il est bien, quoi. Aux armes, bientôt maître. Je sais pas si je voulais vraiment un Rockman aux armes, le mettre au l'autre bout du vaisseau alors qu'il est tout le long du cul, quoi. Je sais pas si c'était le meilleur bail, hein. Non, je pense que 44 de ressources, tu sais, c'est un membre d'équipage en magasin. Et je peux avoir mieux, genre un Zoltan ou un truc comme ça, quoi. Rockman, c'est bien, mais c'est pas incroyable non plus. Oui, c'est vrai que tu peux te déplacer pour réparer, mais tu perds aussi ta spécialité, tu vois. Enfin là, ça voudrait dire que j'aurais fait bouger... C'est toujours ça le problème, en fait. Limite, je préférais un... J'aurais préféré un NJ, tu vois. Limite un NJ, en fait. Dans la SWAT team. Ouais, ça aurait pu aussi. Ça aurait pu coller. Très bien. Écoutez, on est au secteur 6. On a 158 gold dans la besace. Il y a moyen. Là, c'est un secteur où on a 3 magasins normalement. Il va falloir acheter des sous-systèmes, notamment le camouflage et le mind control.
qui vont être importants, se réparer aussi pour rester en vie. Et si possible, une petite dernière arme pour... voilà, on a deux secteurs pour faire ça, mais ce secteur-là, ça va être surtout pour les sous-systèmes. Il va falloir y penser. On va se faire 5 minutes de pause. Moi, je vais me fumer une petite clope. Je vais vous laisser tranquillement avec cette musique de génie. Et on se dit à tout de suite. Et le Vulcain, bien entendu. Et re tout le monde. Alors on va partir. Hein. Donc on était au secteur 6.
Secteur 6, c'est un beau secteur. C'est un beau secteur. Bon, 158 de ressources, c'est vrai. Il faut aller scout, maintenant. Est-ce qu'on avance? On va avancer, genre là, là. Alors, visu sur pas mal de trucs. Magasin, c'est vite, ça serait cool. Vos capteurs détectent un vaisseau de réfugiés dérivant dans le système solaire. Nul doute qu'ils doivent chercher à échapper aux rebelles. Ils ne semblent pas vous avoir vu, à moins qu'ils essaient de ne pas se faire repérer. Je vais essayer de les contacter. Et c'était un prank. Ok, nous avons un Evil Laser 2, Burst Laser 2, un Ion, une Medbay, un Mind Control. C'est chiant. Et un camouflage. C'est encore plus chiant. Est-ce qu'on peut TP direct? Je crois qu'il y avait une arnaque avec ça. Ok, c'est lui qui est Mind Control au niveau des armes. On va aller le bait un peu. Je passe un Mind Control niveau combien? J'espère pas trop quand même, parce que... Déjà au niveau de l'armement, on faudrait peut-être pas déconner. Les armes sont dangereuses. Hein. Main control est dangereux, la clone bay est dangereux. Autres choses sont dangereuses ici. On arrête. Ok, c'est des slugs. Tu vas arrêter. Hein. Mets-toi. Oh non, 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 non. Ah non, mais putain, jeu de merde. C'est pas possible. Oh, il va pas me donner une arme. Mais il va me donner une arme, l'enculé. Y'a le feu où? Oh, j'ai 4 points de vie. Esquive un truc. Je t'en supplie, esquive un truc, quoi. Y'a le feu là-dedans. Non, mais éteins-toi, éteins-toi. Genre, juste le feu, éteins-toi en fait. Défoncer les shields, mais quel connard! Non, arrête, 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 arrête! Non, il n'y a pas d'oxygène. L'oxygène, mon golo. Non! Il meurt comme un sac. Toi, arrête. Ok, ok, je suis pas concentré là. Utilise plus la pause. On attend le DCA qu'elle revienne. Allez, pareil, faites quelque chose. Ok, il y a juste le lion qui est revenu. Toujours 4 points de vie. J'aurais bien TP un jour. Concentre-toi, bordel. Ok, encore lui. Ok, il a remis le Blast 2 en ligne. Je fasse ça. On va TP pour foutre un peu la merde. Pour éviter qu'il répare en 2 secondes. Bouge là. Bon, normalement ça devrait le faire. Toi, faut mourir. Maintenant. Ça a quelque chose dans la vie, il meurt. Il faut que je dorme cette putain de clone bay. Je suis dégoûté. Faut que j'arrête de faire ça. Ok, lui il est remords. Ils sont arrivés à gérer le feu? Ils sont arrivés à gérer le feu.
J'en peux plus. Je vais juste les bourrer. Ok, c'est pas très grave. J'ai personne au... Qu'est-ce que j'en pense ? Mourir. Juste mourir. Mais saoulé là, en 10 secondes. Double récompense, on s'est fait masse thune. On a 4 points de vie. Ok. Jump now. Non, non, il y avait moyen de les gérer, c'est juste qu'il fallait pas que je ride avec la TP. Je pouvais pas garder les armes down et en même temps... Et en même temps, essayer de tuer tout le monde. Il faut que j'investisse dans un truc genre ça. Ce serait pas mal. Petit point d'esquive en plus, 45%. On a pas eu de chance, hein. Sur la première salve, on a pris tellement cher. J'accepte. Oui, je m'en fous. Si j'ai envie de scout là ou scout là directement. J'ai envie de scout là directement. On va faire la quête. Sûrement un piège. Non, on se fait de l'argent. Détresse. Oh, j'ai pas de magasin là. Il y a peut-être un magasin là. Putain, les trois magasins, ils vont être au fond. Je vais être au bout de ma vie. Vous découvrez plusieurs vaisseaux en train de s'enfuir de la petite station spatiale. Vous les contactez en demandant un problème. Nous sommes en train de se faire attaquer par les géants antaliennes. Je peux envoyer quelqu'un. Les hommes avancent discrètement et contournent un important groupe de créatures. Soudain, celle-ci les aperçoit et se rue vers eux. Mais ils ne perdent pas leur cam et tirent dans le tas, mettant les arachnides en déroute. Et on se fait de l'argent. Plutôt pas mal. On peut perdre des membres d'équipage, mais avec la clone base, c'est ok. Une station de ravitaillement, poste près de cette balise. Acheter du carburant, non. Non, 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 non. Même si c'est pas cher, j'en ai pas forcément besoin. Ouais, c'est... Vraiment, c'est parce que, voilà. Boutique. Boutique, enfin. On a 229 de thunes. Contrôle mental. Champ ionique inversé. Réparation. Ah mais c'est le dernier ! Comment ça c'est le dernier ? Ah mais oui, c'est vrai que j'ai les drones. Donc du coup c'est main control le dernier qu'on prend. Ok. Du coup ça veut dire que j'achète les capteurs ou pas ? Bonne question ça. Le champ ionique inversé, hein, c'est fort. Ouais, je mène contrôle là où je TP. Ok. Il n'y a pas beaucoup de magasins, non? Vous avez à bord d'une station NG encore fumante. Elle a manifestement été attaquée par des pirates. Et si elle a été envoyée en ciel de 13, personne n'y a répondu. Il y a peut-être encore des survivants. Au moins quelque chose à récupérer. Rien. Que dalle, nada, walou. Un jeune mantis à uniforme cassine vient de souhaiter porter à votre bord. Je vous supplie de le protéger des NG. Franchement, on va te faire enculer. La dernière fois, il m'a niqué le vaisseau et tout, c'était un enfer. J'aimerais bien une arme, un truc sympathique. Des... Ouais. Des Zoltan. Bah non, hein. Est-ce qu'on veut des Zoltan? On a 3 et 3, 6, on a 6 membres d'équipage. Un Zoltan, ça serait cool, mais... Mettre au shield, à la place de Kinvir. J'ai pas trop envie d'investir dans un Zoltan. Ça se trouve, on a une boutique là. Une troisième. Batterie, c'est cool. En vrai, on n'a pas vraiment de système qui consomme tant que ça. Hein. La TP va pas consommer tant que ça. Et le mind control, non. Les drones, c'est juste deux pour le moment. Hein. Après, avoir deux défenses drone 1, ça pourrait être cool. On a hacking de drones, un lance-missile. Ok. On reste calme.
Une forêt de défense 1, on n'est pas obligé de le faire maintenant. Les moteurs, ça c'est ultra chiant. Après, on est safe en fait. Hein. Il y a juste le lance-missile, tout le reste c'est ok. Donc on va juste démolir la clone bay. On va enlever 2 en énergie, mettre le. Et ton taf, bon. Nice. Dans le feu, est-ce qu'on a vraiment envie? Le vaisseau NG s'avère être très mal équipé. Il tente d'échapper aux rebelles et avoir besoin d'aide. S'il veut avoir la moindre chance d'y arriver, alors on peut leur donner du scrap. Je me rappelle plus ce que ça donne. 2 missiles et 2 carburants, ça me dérange pas tant que ça, mais je sais plus ce que ça donne, ça. Clairement. Est-ce que quelqu'un a l'info là-dessus? 25 pièces de ferraille. Je crois que c'est une amélioration. En vrai, ça... Non, je crois que c'est une augmentation de réacteur. Non. Il me semble pas que ce soit augmentation de réacteur. Ça doit pas être ce genre d'événement. 25 de ferraille, ça doit être une amélioration. Augmenter une arme. J'ai envie de piffer l'arme, mais c'est vraiment du pif, quoi. L'augmentation peut être sexy aussi. On n'a pas d'augmentation. On va faire ça. Vous savez, il y a 2 types de personnes dans ce monde. Il y a les believers, tels que moi, et il y a vous. Moi, je suis un believer. Merci beaucoup pour ce... Hyper drone. Alors là, le hyper drone, j'ai envie de dire, c'est peut-être grâce à ça qu'on va gagner cette game. C'est beau. C'est beau d'y croire. La pause. Je suis là en mode j'ai lâché le clavier tranquille. Et en fatal hein. Faites jamais ça. Faites pas ça chez vous. Dû prendre le récup de drone, mais je l'ai pris. Ah l'amélioration du récupérateur de drone, bah ouais. Mais ça je pouvais pas le savoir. À l'avance. Je ne pouvais pas le savoir à l'avance. Boutique. On savait qu'il y avait une dernière boutique. Peut-être qu'il est là, un récupérateur de drones. Téléportation curative, c'est sexy, hein. Voyez l'un, là. Après, on peut juste double DCA, non? Double DCA et laser lourd. Est-ce que ce serait pas goldé? Ouais non mais attendez, parce que alors là on a match choix. En vrai là on a de quoi... T'as un tournant stratégique, bien sûr. Parce que là il y a plusieurs trucs. Le rayon H c'est cool. Le truc c'est que ça charge en 17 secondes. Est-ce qu'on veut quelque chose qui charge lentement ou vite? Ça c'est une question, mais le rayon H ça fait le café. Les doubles DCA 1 laser lourd. Alors ça, c'est en fait ça coûte tellement pas cher en armes quoi. En fait on peut limite double DCA 1 et rayon H quoi. Double DCA 1, rayon H, ça envoie le pâté hein. Ouais, double DCA ça déçoit pas, ça c'est sûr. Mais l'autre DCA je vais l'acheter forcément. C'est plus rentable que le laser rafale 1, en tous les cas. Après le truc c'est en dernière arme, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut double DCA laser rafale 1? Avec un setup de 6 en armes du coup. Double DCA rayon H, c'est un setup à 7 en armes. De la rafale rapide. Ouais, donc c'est double DCA et après on garde le lourd. Est-ce que le lourd est plus rentable que le laser? Ouais, je pense que le lourd est plus rentable. Hein. Mais là, on a un setup d'armes vraiment pas cher, en fait, en soi. Hein. On n'aura rien à investir en plus en armement.
Et du coup, on part sur TP curative et on essaye de faire TP 3 en TP curative, un truc bien sale. On n'a pas de hacking, hein. Mais les doubles DCA vont s'occuper des shields. Le problème, c'est qu'on a juste le heavy laser lourd pour taper une salle. Donc c'est 2 de dégâts maximum. Avec possibilité de feu, etc. Ça, c'est vrai. Mais voilà, quoi. Après, la TP curative, on met TP 3, on se fait un crew Jenny d'abordage. Pas être ok, hein. Lui est fort en armes. Cela, on a que 3 mantis et un roc. Le problème, c'est qu'il y a un mantis et un roc qui sont dans des salles cruciales. Ça, je pense qu'on l'achète, c'est sûr. On fait ça comme switch. Ça, c'est certain. Entre laser rafale 1 et le laser lourd, il n'y a pas de différence. Ils font 2 dégâts chacun. C'est juste que lui, il fait 2 tirs. Et il consomme 1 d'énergie en plus. Et lui, il a les chances de faire du feu et tout. Et en plus, il tire plus rapidement, quoi. Donc ça, c'est de la merde. Maintenant, c'est ce qu'on prend le laser H à la place de l'autre. Si on fait ça, il va falloir investir, hein, dans les armes. Beaucoup. Alors que là, on a un setup où on n'a pas besoin d'investir plus que ça. J'ai limite envie d'acheter des drone parts aussi. Ça coûte cher, hein. Téléportation curative, c'est fort, hein. Ça peut être beau. On part sur une TP curative. On peut partir là-dessus, hein. On a un bon setup, hein. On a un bon setup. Là, faut juste augmenter la TP, je pense. Moins de 1. Ok, ok, ça va le faire. Let's go. On part sur un truc un peu bizarre, hein. On est un peu hybride. Vous m'avez l'air des militaires, nous essayons de rentrer chez nous en un seul morceau. Je suis un légère métier, si vous voulez améliorer votre réacteur. Ouais, pff. Alors en fait, les deux drone parts, c'est cher, quoi. J'ai envie de dire non. Mantis. Le choix s'offre à nous. Ça paraît bien garni, je suis confiant. Je suis confiant aussi, hein. Boutique? Non. Plus d'argent. Ça va peut-être être la seule boutique d'ailleurs du secteur. C'est un peu chiant. Casse les couilles. Ah non. Tu vas te battre avec eux. Fais-toi marave. On va pas pouvoir faire tant de ça du secteur, hein. C'est chiant. Ils ont une TP aussi. Je vais essayer de down le lance-missile. Si j'arrive à le down, c'est bon. Ok. L'endance missile est down, ça c'est cool. Y'a le feu là-dedans. Où le dernier? Il est toujours là-dedans, non? Non. Mais non, mais jouez pas le TP, ce mongolo. Rappelle l'outil, il est tout seul pour réparer, quoi. Pas l'air con, hein.
Il est où Jackie là? Il y a le feu de partout, qu'est-ce que tu fais exactement? Oh mais il m'emmerde hein. On a trouvé Gilles! Incroyable! Mais Gilles où? Mais attendez, ne serait-ce pas... Xam the One qui est là. Fort en armes. Eh ben c'est cool. Et en pilotage aussi. Bon, le pilotage, c'est pas si important. Ça aurait été surtout bien d'avoir quelqu'un d'autre à la place de... Mais c'est bien, ça va faire notre deuxième crew en TP. Et ça, ça fait plaisir. Par contre, on s'est pas fait de thunes. Une autre boutique encore. Incroyable, c'est secteur Mantis où il y a 12 milliards de boutiques. Lorsqu'ils aperçoivent le vaisseau de guerre Mantis en embuscade aux coordonnées que vous avez indiquées, les membres de votre équipage sont soulagés que vous ne soyez pas arrivés exactement à l'endroit prévu. Bien sûr qu'on lui attaque. Qu'on l'attaque. Il y a quoi? Il n'y a pas grand chose, ça va. On a une clone bay, ok. Clone bay. On va taper dans le shield, hein. Ils sont où? Ils sont là. Ok, bien l'aider. En fait, t'as plusieurs, les potes. Elle va mourir là-dessus. Ok, le rayon H est tombé. Donc ça, ça va rendre le truc safe. Pff, au pire, on a même pas besoin d'esquive là-dessus. On va juste envoyer tout le monde d'équipage là-dedans. Ok, tout le monde revient à son poste. Ok, ça c'est bon. Ok, c'est bon. Il va peut-être falloir que j'ai voulu la mettre bay. Hein. Toi, ton poste, ça va être quoi? Ça va être là, non? Est-ce que je le veux vraiment plus loin? Je le veux pas forcément plus loin. On va faire ça. Ah merde, il est plus maître en esquive. Ok, 90 de thunes. On va garder pour scout le shop quand même. J'ai bouffé de la tête de rebelle, bien sûr! Ok, c'est des ressources qui volaient dans l'espace, c'est toujours cool. Ouais, on a pas mal de sauts là-haut. 1, 2, 3. On a le temps de faire les 3? Je suis même pas sûr. Je crois pas. On va pas grid. Je pense que c'est la dernière boutique qu'on fera de toute façon. Rayon incendiaire. Rayon incendiaire, ça pourrait être sexy. Hein. Réparateur de système, on s'en branle un peu les miches. Bon bah on a rien acheté hein. Est-ce qu'on achète des drone parts? Ouais, 24 J'ai envie d'évoluer quoi? Est-ce que j'ai envie d'évoluer le mind control? Mind control niveau 3, ça envoie du pâté croûte. Hein. Le mec va juste arracher tous ses membres d'équipage. TP3, on n'est pas obligé, je pense. 10 secondes, si on va envoyer vite deux crew. Je pense qu'on va déjà faire ça au moins. On va mettre une troisième barre d'énergie. On va partir par là. Pour une question de timing. Ah encore? Non mais prendre la prime. 62 balles. Ok, on va faire ces sauts là-haut. Oui, on va apporter assistance au vaisseau civil.
Let's go TP, encore une clone bay, un lance-missile, tout le reste c'est OZEF. En friter ma bête baie, go, go. Servez à quelque chose les petits. Ils sont allés où? Dans les drones. Ok, why not. Sont deux, ça va. Sur le vaisseau ça se passe mal. Ça tourne mal l'explication. On va essayer de down quand même le lance-missile avant. Lance-missile est pas down. On va mettre un drone de def. Là tout se passe pour le mieux. On va down la clone bay. Nice. Merde. Il va mourir. Hop, il va falloir que t'ailles en backup là-dessus. Ok, tout le monde est là, à son poste. Tac tac. Une coup de laser lourd. On n'en parle plus. Ça c'est bon, TP-toi avec eux. Nice. Carte off de source, on se fait réparer, c'est cool. En vrai, j'aurais préféré de l'argent, très clairement, mais c'est pas grave. Tac, tac. La pute putain de barre. On a le temps de faire 1, 2, 3 sauts, ce sera tout. Hey yo, KG, comment ça va, gros? Pourquoi les sons, ils marchent plus, d'ailleurs? D'où les sons, ils marchent plus? Sound fail. Je sais même pas pourquoi il marche pas. Et bah écoute, ça va très bien, KG. Ça va très très bien. Tenter de télécharger. Le truc c'est que si ça marche, on a juste un scout du secteur. Et le scout du secteur, on s'en branle puisque nos trois derniers sauts sont déjà faits en fait. Donc qu'est-ce qu'on veut pas récupérer la ferraille plutôt? Après, c'est un clodo, hein, on lui déboîte la gueule. Il n'y aura pas trop de soucis là-dessus. Après, sur un combat, est-ce qu'on récupère pas plus, justement? Bon, on récupère de l'argent. Finalement, c'est cool. On a eu le scout, mais c'est pas grave. On doit se barrer. Vous repérez un petit vaisseau rebelle non loin. Il semble avoir été modifié pour transporter du matériel plutôt que pour combattre, bien sûr. File-moi tout. Tac. Vulcain, ça va. C'est pas trop un problème. On va TP là-dedans, mind control. Into casse la gueule à Medbear. C'est bien passé. Ah, la baisse de la sortie. Je suis deg. Une TP. Ils sont là. Au niveau du pilotage, ça c'est chiant par contre. Il n'y en a qu'un seul. 4 boucliers. Chiant aussi. Nice. Comment ça il a autant de cibles, hein? Ok, ça on s'en branle, hop. Faut vite se barrer. Nice. Normalement on a esquivé la brèche. Tout ça. Oui, très bien, pas le temps de niaiser. Meurs pas s'il te plaît. Juste ne meurs pas. L'XP, pense à l'XP, gros.
Il va falloir améliorer les portes un jour, hein. On a toujours avancé sans améliorer les portes, c'est pas forcément la meilleure des idées. Ok, on a 204 de ressources, le seau ça ressemble à quoi? D'où elle... Mais comment ça la base elle est là-bas? Oh! Parce qu'en fait là les réparations, ce qui est bien c'est que bah je peux récupérer des drone parts quoi. Donc j'ai au moins envie d'en faire une. Oh ça va être l'enfer pour y aller hein. Lui il y va en 6 sauts là. Il va falloir penser au buffer. Il va falloir penser à plein de trucs. Déjà on va sauter là. Fais chier. On va sauter là du coup. Aucun intérêt d'aller là-bas. Hein. C'est une fight perdue d'avance. J'ai peut-être envie de la mettre niveau 3 dans la salle des clones. Là on pourrait penser quasi au 4ème shield. Même si c'est pas très worse. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Un buffer là-dedans, c'est sûr. Ok, on va essayer d'y aller comme ça pour le moment. L'upgrade d'engin. Ah oui, parce que je kippais beaucoup trop de thunes. Putain, mais vraiment... Ce jeu de la baise, heureusement il y a cela. Oui, possibilité de double récompense. On a une medbay, un armement aux oignons. Ils sont TP où? Ok, ils sont là. On a le temps. Ok, il s'est barré. Il est où d'ailleurs? Il est tout seul. Donc Osef. Il est mort là-dessus. Toujours le feu. Y'a personne là qui vient? Qu'est-ce qui se passe? Il est où l'autre? Mais c'était lui là? Ouais, voyons hein. Nice. Les ressources de génie. On s'est fait des couilles en or. Referme les portes. 198 de thunes. Oh là là, faut tellement aller vite. 4ème shield hein. En vrai, no joke, 4ème shield c'est gérable hein. On n'a pas tant de ressources que ça à utiliser hein. Plusieurs tirs laser passent sur votre gauche et en vous tournant dans cette direction, vous voyez un croiseur endommagé poursuivi par des éclairs rebelles. C'était bien intervenir, oui. Un boarding. Un drone de gitan, il y a juste le lance-missile encore qui est un problème. Même combat. Agissons rapidement, efficacement. Ok, il s'est trouvé ici. Toi vas-y, va en support, toi aussi. On va mettre le défenseur en ligne. Ok, ça c'est bon. Sortez d'ici vous. Ok. C'est un peu bizarre comme fight là. Hein. 267 de ressources. On a encore un combat.
Quatrième shield, ça me coûte ça, plus ça. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Et yo, Monkey Boon. Mais oui, l'ambiance est au top, bien sûr. Quatrième shield, c'est cool. C'est vraiment cool. On a un défense drone, en vrai, pour gérer un peu les missiles. Après, gérer une esquive, une upgrade d'esquive en plus, ça pourrait être bien aussi. On pourrait même mettre en mettre 2. 25-28, on gagne plus 3, plus 3. ...3% d'esquive, on pourrait gagner 6% d'esquive en plus. Je pense que le shield est meilleur. On va partir sur le shield. La merde, c'est là. Est-ce qu'on le suicide, lui? 2 points de vie. La question ne se posera pas. Je suis deg. Est-ce que lui on le suicide aussi? Non, on s'en fout. Normalement il est censé TP. Ouais, si, on va le suicider quand même. Kindir, ça devrait être ok. Il en a où d'ailleurs au niveau de ses masteries? Bon, il passera jamais maître en shield. Il nous manque un DRJ en fait. Un DRJ, on est bien, on n'aura pas besoin de faire des switch de forain. Lance missile encore, on va faire ça. On va TP là-dedans. On va appliquer le format standard. Ils ont TP chez moi? Oui, ils sont là. On va les emmerder un peu. On va aller tout seul. C'est bon, ça c'était le flak, c'était le plus chiant. On a 4 shields, ça devrait être ok. Nice. Il reste encore quelqu'un en vie là-dedans là ? Il est en train de faire quoi, les shields ? Ouais. C'est nice. On est full repaired. On a un réparateur de coque. Hein. Donc entre les phases de boss, ça devrait passer crème. Maintenant, c'est où on investit nos 84, sachant qu'on voudra ça. Mais on va gagner un peu d'argent sur les phases de boss. Et ça sera surtout sur la troisième phase, vous allez être important. Donc là, on peut investir, on va dire, 52 thunes ailleurs. Maintenant, c'est où? On pourrait mettre un double buffer drone, mettre en esquive. Non, énergie, on avait dit. On avait dit énergie, est-ce qu'on investit ailleurs? Je pense pas, du coup. Ok. Oui, Tibar ? Et yo, Psyka ! Suicide ton équipage plutôt que le soigner, ouais. Vaut mieux, hein. Est-ce qu'on veut 2 personnes, 4 personnes qui abordent ? Je pense que ouais. Ça va être compliqué, hein. Va falloir fracasse la medbay rapidement et essayer de tuer le maximum d'équipage. Et après, pour la deuxième phase, on sera tranquille. Troisième phase, ça sera compliqué. On se fait avec l'oxygène, mais quel connard. Ça me rend ouf. L'oxygène, c'est un problème. Hein. Heureusement qu'on a mis un buffer. Le problème, c'est que deux, là, pour sortir de la salle, ça va être chiant. Ok. On veut TP ouf. Est-ce qu'on veut directement déboîter ça par hasard? Ok, on va faire ça. Vous deux, faut que vous alliez là-dedans.
Allez, c'est le moment d'esquiver. Putain! Full miss, je crois qu'on a le temps de retirer une fois. Chier toi. Ils y arriveront jamais. Ça va hold. Sévère là-dessus. J'aimerais bien tuer des gens. Ok, eux deux ils ont réussi à tuer des gens là-haut. L'oxygène, ça va être un problème, faut que je le mette au niveau 2. Nice. Tu as TP vite. TP c'était tellement important là-dessus. Ok, on man contrôle vite fait juste avant. Ça, ça va être bon. Faut résu le plus rapidement possible. On a les missiles, on va garder en esquive. Faut que je tire là-dessus. Ok, nice. J'aurais bien ma TP back. J'ai pas vu s'il avait réparé sa medbay. Il l'a réparé. Okay, il va falloir lui mettre une autre charge avant de TP mes gens dedans. Là c'est bon là. Allez. Déboîtez-moi cette medbay. Nice. Ok, c'est maintenant. Vous deux faut vite aller là-dedans. Là, faut les empêcher de réparer la medbay. Ça va être le plus important. Non, explose pas maintenant. Quoi? Ah, ils vont laisser brûler là? Ok, très bien. Du coup, ils vont mourir. J'ai un problème au niveau des shields. Il va falloir marave quoi. Non, on s'en fout de ça. Ok, donc on va mettre ça pour le moment. Skive, nice. On TP là-dedans maintenant. Est-ce qu'on mène contre lui? On s'en branle. On mène contre lui. Ok, toi faut que t'ailles là-bas. Missile, faut que ça tombe le plus vite possible maintenant. Pas de priorité. Dommage. J'ai été beaucoup trop rapide là-dessus. On peut remettre maintenant notre shield. Les deux là, faut vite aller là. Je vous le fion, faites quelque chose vous. Ok, on va TP là. Il reste combien de gens en vie là? Il reste plus personne ça? Y'a du feu non? Quelque part chez moi? Qui s'y brûle? Ok, ça c'est chiant. Ça c'est chiant encore. Ok, on va tuer le vaisseau adverse. C'est maintenant. Ok, c'est pas très grave. Ils vont venir. Plus fort que jamais. T'as les capteurs, j'aurais tellement dû acheter les capteurs quoi. Y'a le feu, y'a le feu. Allons scout. Oh, un petit peu. Okay, y'a le feu, y'a le feu. Tout le monde s'arrête. Toujours debout, toujours la banane. Ça va le faire large. Je t'avoue, on serre les fesses un petit peu, hein. Hey yo, Meta, comment ça va? Ah, Meta qui est là pour la finale. Là. C'est beau ce qui s'est passé. Le problème, c'est qu'en fait, je sais pas s'il restait un membre d'équipage en vie, en fait, en face. Parce que s'il reste personne, la deuxième phase, OZEF, mais la troisième phase, ça va être compliqué. Hein.
ça va être repris sur intelligence artificielle, ça risque d'être chiant de ouf. Du coup, on veut la TP2, ça c'est sûr. Ça, on s'en branle. On veut faire une petite réparation de coque. Reste de type. Comment tu sais? C'est beau, Patrick. Putain, il m'a full repair. Nice. Main control niveau 2, du coup. Là, on wait. Là, on wait. Et là, on re-wait derrière. Le défense 1, TP là-dedans directement. Tu vois, là, il n'y a personne qui bouge, là. Il n'y a aucune porte qui s'ouvre. Donc, en gros, il n'y a plus personne sur le vaisseau adverse. Du coup, j'ai pas besoin du mind control. Ok, voilà. Ok, 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 ça tient, ça tient, ça tient. Ok. Je vous jure que j'ai essayé de le sauver. Hein. C'est pas ma faute hein, s'ils ont pas donné le maximum. Il est caché dans la salle isolée. Oui, mais le problème, c'est qu'il va mourir. Là, il était du coup sur le laser. Mais le problème, c'est qu'il va crever sur la troisième phase. Je crois. Du coup, je vais être sous intelligence artificielle. Après, on a pris 0 dégâts. On est plutôt serein. On est full life. Donc là, il faut mettre un là-dedans. Pour le moment, on n'a pas besoin de ça. Et la clone bay non plus. On va aller chercher direct. Mais oui, le drone kill s'est pété, bien sûr. Un contrôle. Arrêtez de vous battre. Là, on va mettre anti-roto. Pas besoin de s'en occuper, faut juste faire down le shield le plus rapidement possible. Normalement ça devrait être ok, hein. Il y a juste un petit peu les missiles, d'ailleurs j'ai oublié le défense de drone. By the way. Allez, esquive un petit peu. Nice, ça devrait casser, ça c'est bon. Du coup on va mettre TP2, hop, into là. Toi viens là, Jackie. Ok, le mind control, ça hors de question. Là on arrête, les tirs auto, on va juste wait. Ok, allez on esquive. Large. Vous avez suivi, moi non. Bon, y a à aucun moment, je me suis même posé une question sur le fait que ça allait marcher ou non. Hein. Ça c'est un... C'est vous hein. Yeah. Ça c'est good la brèche, il va pas pouvoir réparer tout seul. Je peux mon laser lourd au lit, c'est pas très grave. Esquive. Large. Je vous dis à aucun moment j'ai sué moi. À l'inverse de vous finalement. Vous, vous êtes pas des believers. Ça on est bon. Ça on est bon, ouais ouais, continue à être tout cassé là. Non 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 mais pas te... Oh, on lève les mains. Et c'est la victoire. C'est la victoire du jeu. Viens de Tabo Boldav, il l'a fait. Oh là là. Pokémon détective, sorte. Putain de quoi tu parles. L'auto-hyper, c'est de la rigolade. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, bravo à tous. 5200, c'est peu hein, pour un vaisseau ATP quand même.
Après, c'est un faux vaisseau ATP, quoi. Mais il est passé le con. Putain. Ça va. Franchement, le Reaper, ça a fait du bien aussi. Hein. Bon, même sans, on y serait arrivé, mais... Au moins, ça a safeisé un peu la run. On s'est mis bien avec le petit drop de le Reaper. Bon, du coup, on dit des bisous à YouTube. Hein. Je vous ferai la vidéo. Hein. Mettez un pouce.